dessin, à part les paysages que l'on connaît bien, mais qui ont beau nous être familiers, je les trouve tellement sublimés par, par la vision de Christian Boutin, c'est-à-dire qu'il nous emmène très très loin. Notre artiste guyonnais, comme d'habitude, a fait fureur dans un lieu magnifique avec cette clarté des murs et les couleurs qui se dégagent de ses peintures. Vraiment, on est ravis, on est gâtés. Parce que là, on est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire en abstraction et en couleurs. On voit un chemin de peintre. Un petit pont en pierre enjambe l'Epte, une rivière du Vexin. D'énormes platanes l'entourent, formant une voûte au-dessus de l'eau. Ici règne ombre claire, une ombre claire où jouent des taches de soleil. Le murmure des arbres répond au chuchotement de l'eau. Charme et mystère. À l'écart, solitaire, c'est une bulle d'espace-temps préservée d'un lointain passé. Tout au long de son cours, la rivière se métamorphose et prend tous les aspects. Parfois, la végétation des berges, profuse et dense, forme un tunnel végétal où elle coule en se donnant les airs d'un bras secret et perdu de l'Amazone. Ailleurs, lente et sereine, elle enroule méandre sur méandre au milieu des prairies. J'y viens souvent. Appuyé au parapluie du pont, j'ai longuement rêvé, regardant l'eau et le temps s'enfuir. J'ai trempé mon pinceau dans l'eau et j'ai tenté d'en saisir l'insaisissable. Et je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne soirée, une bonne nuit. Balayer le plafond, qui vont taper dans le miroir renvoie ça de l'autre côté, je suis complètement terrifié. Alors j'attends un trou entre deux voitures pour courir à toute vitesse vers le tour du lit, et bon ben j'y suis arrivé. Et alors j'ai porté ce souvenir-là pendant 70 ans, je n'ai pas 70 ans après. Et je veux dire que j'ai éprouvé un choc. Une fois que ce souvenir a été noir sur blanc, on veut dire sur le papier, là, ça m'a... j'ai eu un choc à l'estomac. D'un seul coup, mon souvenir prenait une réalité qu'il n'avait pas avant. Un peu ému, bien qu'ayant quand même un peu l'expérience de conférence, de vous montrer un certain nombre d'images qui sont dans le livre, images que je vais commenter pour, au fond, entrer dans l'œuvre de Christian Boutin. Il dessine, il illustre, il peint, il sculpte. Déjà, cette diversité impressionne. Cet homme, au fond, a vécu plusieurs vies. Et le fait d'avoir vécu plusieurs vies, tout cela se retrouve dans sa création, dans ses créations. Je pense que vous serez frappé
par l'ouverture, plus encore que par la diversité de ces zones de création. Vous le verrez très vite. Et je pense que Christian Broutin est un homme sans frontières. Et lorsqu'il creuse un territoire, il va jusqu'au bout et même un peu au-delà, en évitant, ce qui n'est pas évident, tous les clichés, toutes les postures ressassées. À chaque fois, on est surpris. On est pris dans un engrenage mental, graphique, esthétique, sculptural, impressionnant. Il convient de se laisser aller. Il convient de voyager. Là où il nous emmène est toujours un peu au-delà du réel. Le réel est présent, particulièrement dans ses peintures. Mais même en peinture, même dans les paysages peints du Vexin, il y a toujours dans l'œuvre de Christian Broutin un au-delà, une traversée. Il y a toujours un ailleurs. Il y a toujours une forme d'absence à l'évidence première qui fait qu'on voyage dans un au-delà mental, dans un au-delà psychologique, un au-delà psychique, quel que soit le thème travaillé par lui. Alors là, c'est comme si tu... Anna, tu... Qu'est-ce que je fais ? Oui, tu le poses et puis tu relèves la tête et puis tu me souris.